Une réunion d'opposants tout de suite, le 18h. Le 18h, toute l'actualité politique de ce jeudi 29 octobre, voici les titres. Charisme et notoriété, Tony Blair pousse son avantage et ses soutiens Gordon Brown en premier pour décrocher le nouveau poste de président de l'Union européenne, mais un autre dirigeant plus européen pourrait décrocher la timbale. Aucun juge d'instruction n'enquêtera sur l'affaire dite des biens mal acquis, ceux des chefs d'État africains. La Cour d'appel de Paris oppose son refus malgré la plainte d'une ONG qui lutte contre la corruption. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence ce soir sur l'Afghanistan au lendemain de sanglants attentats revendiqués par les talibans. Pas de répit dans le bras de fer que se livrent le ministre de l'Immigration et la CIMAD, cette association d'aide aux étrangers, toujours la seule à pouvoir intervenir dans les centres de rétention administrative. La CIMAD dénonce aujourd'hui le coût de chaque reconduite, au moins 27 000 euros, dit-elle, chiffre contesté par Éric Besson qui évoque lui une somme plus de deux fois inférieure. Autre polémique relancée sur le sort réservé aux étrangers dans les centres de rétention en raison de la politique du chiffre. Lise Pressac. Les centres de rétention sont victimes de la politique du chiffre d'Éric Besson, selon la CIMAD. L'association, la seule présente dans les centres, dénonce les conditions de vie des 35 000 étrangers qui y transitent chaque année. Des travailleurs, mais aussi des familles et des enfants. En 2008, 118 familles et près de 230 enfants placés en rétention. Les centres de rétention sont quand même les seuls lieux en France où il est autorisé par la loi d'y placer un enfant, un mineur de moins de 13 ans. Or, ce sont des lieux qui sont objectivement violents et surtout très traumatisants pour des enfants. Des conditions qui risquent de s'aggraver encore en 2010, s'inquiète l'association. Dans quelques mois, un nouveau centre va ouvrir ses portes en Seine-et-Marne. Des membres de la CIMAD ont pu visiter le chantier. Selon eux, il s'agit plutôt d'une prison pour étrangers. Pour aller depuis sa chambre jusqu'au bureau de la CIMAD, ce qui normalement se faisait assez naturellement dans chaque centre, là, il faudra qu'il passe par au moins trois et peut-être quatre portes quasiment blindées et pour lesquelles il faudra à chaque fois qu'il ait l'autorisation d'un agent de la police de l'air et des frontières pour pouvoir passer d'un espace à l'autre. Le futur centre pourra accueillir 240 étrangers, en plus des 140 qui sont déjà retenus dans un centre attenant à la future structure. Le ministère s'était pourtant engagé à ne pas dépasser les 140 places. L'Assemblée nationale supprime les avantages fiscaux des sportifs professionnels, et notamment les footballeurs, contre l'avis de Ramayad, mais aussi des anciens sportifs, aujourd'hui députés UMP, David Douillet et Jean-François Lamour. En revanche, Roselyne Bachelot et Éric Woerth ont finalement soutenu l'amendement supprimant le droit à l'image, synonyme de bonus fiscal, n'y voyant pas, à l'inverse de leur collègue Ramayad, donc le moyen de rendre les clubs français plus attractifs. C'était le combat notamment de l'ONG Transparence Internationale. Il subit un sérieux coup de frein aujourd'hui avec le refus de la Cour d'appel d'ouvrir une enquête pour faire la lumière sur le patrimoine de plusieurs chefs d'État africains, à Paris notamment, ce qu'on appelle les biens mal acquis. Marie Brémaud. Les présidents congolais, guinéens et gabonais ne seront pas inquiétés par la justice française. Il n'y aura pas d'enquête sur les biens dits mal acquis. La Cour d'appel de Paris refuse de donner suite à la plainte déposée contre les chefs d'État africains pour détournement de biens publics. Une décision que regrettent les associations à l'origine de la procédure. C'est qu'elle prive les victimes d'un moyen de faire valoir leurs droits. Et nous pensons que des associations comme la nôtre devraient pouvoir aider les victimes de la corruption. La deuxième, c'est qu'elle prive, au fond, la justice d'un moyen de vérification du bien fondé de nos allégations. En cause, un patrimoine immobilier en France détenu par les trois chefs d'État africains, estimé à 160 millions d'euros d'après les ONG. Des affirmations formellement démenties, et ce depuis le début, par les avocats des présidents. C'est une très importante décision, parce que nous étions dans une instrumentalisation de la justice française. Il faut savoir que dans ce dossier, où le président de la République équato-guinéenne est visé, celui-ci n'a pas de bien en France hormis un pavillon. Il n'a pas de compte bancaire. Il n'y avait pas une ligne sur lui, mais son nom était jeté en pâture.
Ça a des conséquences lourdes. Des conséquences avant tout pour les relations entre la France et les trois pays africains mis à mal par cette affaire mettant en cause des chefs d'État en exercice. Avec cette décision de justice, la situation embarrassante prend fin pour la diplomatie française. Enfin, pas si sûr, les associations ont d'ores et déjà annoncé leur volonté de se pourvoir en cassation. Les talibans, toujours plus menaçants, ils promettent d'intensifier leurs attentats d'ici au second tour de l'élection présidentielle afghane le 7 novembre, au lendemain de l'attaque sanglante contre l'ONU à Kaboul. Le Conseil de sécurité est convoqué d'urgence ce soir. Deux séquences à suivre dans le 18h. Oui, non, l'envergure des mesures contre la grippe A a-t-elle pour origine les paroles d'experts qui ne seraient pas au-dessus de tout soupçon? Mais d'abord le décodage. Qui pour présider l'Union européenne. Notre invité, Jean-Louis Bourlange, bonsoir. Bonsoir. Ancien député européen, aujourd'hui professeur à Sciences Po. Les dirigeants des 27 se sont donc retrouvés il y a quelques instants pour un sommet à Bruxelles. Officiellement, il s'agit de préparer la conférence sur le climat de Copenhague, mais la question du choix du futur président de l'Union domine les échanges en coulisses. Jean-Louis Bourlange, quelle importance aura ce futur président ? Bah, relativement limité, parce que ce ne sera pas en vérité le président de l'Union européenne, contrairement à ce qu'on a dit, c'est le président du Conseil européen, c'est-à-dire qu'il aura le pouvoir de présider la réunion des 27 chefs d'État ou de gouvernement. Et je serais un peu tenté de dire, selon la formule consacrée, que le président de séance, il ouvre la séance et il la ferme. Ça, c'est un peu excessif ce que je dis. Mais il n'a absolument aucun pouvoir, et ce sera une personne physique, contrôlé entre les mains de 27 chefs d'État ou de gouvernement. Et pourtant, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on maintient en même temps la présidence semestrielle et qu'à côté de ce président du Conseil européen, il y aura un Premier ministre ou un chef d'État qui présidera, dont les hommes présideront tous les conseils des ministres. Et pourtant, on nous dit que c'est la principale innovation du traité de Lisbonne. Oui, l'extraordinaire désinformation pratiquée et par les partisans du oui et par les partisans du non sur le traité de, l'acte constitutionnel et le traité de Lisbonne, c'est pas la moindre. C'est ridicule. On a dit qu'on voulait simplifier l'exécutif européen. Si on voulait simplifier l'exécutif européen, il suffisait de concentrer les pouvoirs sur le président de la Commission, peut-être en choisir un autre que Barroso, mais concentré sur le président de la Commission. En fait, on a multiplié les noms. On a un haut représentant, un président du Conseil européen, l'État semestriel, le président de la Commission. Et on dit tout ça, c'est pour simplifier. Et c'est parce que M. Kissinger aurait, paraît-il, dit Europe, what phone number? Quel est le numéro de téléphone de l'Europe? Ben, on ne lui offre pas un numéro de téléphone, on lui offre un standard téléphonique. Mais quand même, et si l'homme faisait la fonction, en quelque sorte? On parle beaucoup de Tony Blair. Voilà quelqu'un très charismatique, ça vous ne pouvez pas le nier, qui est très connu internationalement, et il est de plus en plus candidat. Qu'est-ce que vous en dites ? Écoutez, moi j'ai une grande admiration pour Tony Blair en tant que personne, en tant que leader politique. Je l'ai expérimenté en tant que parlementaire pendant la présidence britannique. Il avait un charme extraordinaire, une capacité d'emballement des auditoires tout à fait extraordinaire. Mais c'est un vrai paradoxe. Vous allez mettre à la tête de la présidence de l'Union européenne quelqu'un qui a été la clé, l'une des clés de l'opération en Irak, comme Barroso. Donc les deux chefs de les deux têtes de l'exécutif seraient l'un et l'autre favorables à la guerre d'Irak, alors qu'au même moment les Américains ont élu un président qui lui avait eu la sagesse de voter contre Monsieur Obama. Donc c'est quand même paradoxal. Deuxièmement, c'est la tête d'un pays qui s'est retiré de tout, qui est étranger à une très grande partie des politiques communautaires, à commencer par l'euro. Alors que la politique de l'euro, c'est le noyau dur de ce que font... C'est vrai que lui-même avait fait très peu d'efforts à l'époque. Oui, hein. Et puis enfin, c'est l'incarnation d'un modèle économique, commercial, financier, dans le moins qu'on puisse dire, et qu'il a été quelque peu mis à mal. Alors on peut faire n'importe quoi, on fait beaucoup, souvent n'importe quoi en Europe, mais nommer Tony Blair, c'est vraiment nommer l'antiprofil. Alors on dit que ses soutiens sont d'ailleurs de moins en moins nombreux. Aujourd'hui, bien sûr, Gordon Brown, on a dit que c'était le meilleur candidat. Quels sont les autres profils? Même les conservateurs britanniques, pourtant vous connaissez la devise des Britanniques, right or wrong my country, même les conservateurs britanniques se sont opposés à Tony Blair. Ouais, et alors, le Financial Times publie ce matin un édito contre Tony Blair. Il paraît que Nicolas Sarkozy a été longtemps favorable, je crois qu'il l'est un peu moins. Alors on dit maintenant, l'anti-Tony Blair, c'est Jean-Claude Juncker, qui lui est l'incarnation du Benelux, de la tradition européenne
intégrer, etc. Mais je le sens pas non plus, parce que c'est une personnalité assez forte, et je pense que les chefs d'État et de gouvernement n'en veulent guère. Il est en mauvais terme, notoirement, avec Nicolas Sarkozy, et il vient de critiquer sévèrement le programme, l'accord de gouvernement conclu par Madame Merkel avec le FDP. Alors, s'opposer, quand on est le luxembourgeois, dont la réputation est d'être en stéréophonie franco-allemande, s'opposer à la fois aux Allemands et aux Français, c'est pas terrible. Moi, je pense depuis longtemps, mais je suis pas, ça sera peut-être autrement que je ne pense, je pense depuis longtemps que les chefs d'État et de gouvernement auront besoin, auront envie d'avoir une personnalité qui ne leur fasse pas d'ombre. Pas de personnage flamboyant, non. Et donc, il y aura soit le néerlandais, Monsieur Balkenende, soit un vieux sage, tout à fait bien, d'ailleurs, sous tout rapport, comme M. Lipponen, l'ancien président finlandais. De vrais Européens, ceux-là ? Ce sont de vrais Européens qui ne feront pas d'ombre aux 27 chefs d'État et de gouvernement qui sont pas vraiment de vrais Européens. Alors la chancelière allemande, justement, elle se montre très prudente. Hein. Elle dit qu'elle attend, pour se prononcer, elle attend que le traité de Lisbonne soit justement pleinement ratifié. On sait qu'il manque la signature de la République tchèque. Ce qui frappe également en ce moment, c'est la résurgence du couple franco-allemand, qui semble jamais n'avoir été aussi fort. Oui, hein. un mot sur Mme Merkel. Ce qu'elle attend surtout, c'est une négociation globale. Il y a 27 postes à distribuer, 25 postes de commissaire, le poste de haut représentant qui est très important, qui à mon avis est plus important que celui de président du Conseil européen, l'homme qui incarnera la politique étrangère. Et deuxièmement, sur le couple franco-allemand... Alors est-ce que c'est de bon augure justement pour l'Europe? Vous dites qu'il y a beaucoup de choses qui vont mal. Donc, à vous écouter, on dit que tout va mal. Est-ce que là... Je ne pense pas que tout aille mal. Ouais. Mon idée sur l'Europe, c'est que l'Europe fait semblant. C'est pas qu'elle fait mal, c'est pas qu'elle fait bien, c'est qu'elle fait semblant de faire et qu'elle ne fait pas. Et donc, on dit tout est européen, ce n'est pas vrai. En réalité, les États contrôlent chacun chez soi leur politique, ils se réunissent, ils font des communiqués, et c'est surtout ça, et il n'y a pas beaucoup de substance. Est-ce que la relance de ce couple, Merkel-Sarkozy, c'est de bon augure? C'est le cas. Oui, bien, tout à coup, c'est indispensable. S'il n'y a pas de relance, c'est absolument catastrophique. Alors, ce qu'on voit, c'est que ce qui se passe avec Madame Merkel et Monsieur Sarkozy, c'est exactement ce qui s'est passé avec Schröder et Chirac. Ça commence très mal, et ça, au bout de quelques temps, ils s'habituent, ils se comprennent, parce que vraiment, on ne peut pas imaginer... Et là, ils se retrouvent sur la même politique, Jean-Louis Bourlange. On laisse filer les déficits... Non, alors écoutez, alors là, n'exagérons. Il ne faut quand même pas faire la comparaison à ce point. C'est vrai que les Allemands, moi, par exemple, m'ont surpris. Je ne pensais pas qu'ils... avant les élections, je ne pensais pas qu'ils iraient aussi loin sur la réduction des impôts. Ah, seulement, le prix de la coalition, c'était effectivement que Mme Merkel fasse des concessions en matière fiscale. Mais le déficit structurel de l'Allemagne est deux fois inférieur au nôtre, son taux d'endettement est nettement inférieur. Oui. L'Allemagne peut se payer les déficits qu'elle se paye. Elle est mieux équipée structurellement, alors que nous, structurellement, nous sommes très affaiblis par nos comptes publics. Jean-Louis Bourlange, dernière question. La signature du président tchèque est attendue au bas de ce traité, hein, Václav Klaus, oui. Il négocie âprement sa signature en échange de dérogations à la Charte des droits fondamentaux. On a l'impression que c'est ça, en ce moment, l'Europe, des concessions. Il en avait eu accordé aux Irlandais récemment, non? Oui, enfin, bien sûr, mais on a toujours fonctionné depuis au moins le traité de Maastricht sur ce que dans le jargon communautaire on appelle des opting out. C'est pas absolument dramatique. Il y a un certain nombre. Ce qui ne va pas, c'est quand après, quand vous êtes le pays qui bénéficie de plein d'opting out comme l'Angleterre, vous dites en plus je veux tout commander. Ça va pas. Quand vous êtes à la marge du jeu, vous êtes à la marge du jeu. C'est ce qu'on choisit de faire les Tchèques. La concession qu'on va leur faire n'est pas très importante et elle mérite quand même leur signature vaut un prix. Il y a 27 parlements ratifiés, y compris le parlement tchèque. Le président Klaus a le pouvoir plus ou moins juridiquement fondé de bloquer. Il faut débloquer la situation. On lui fait une concession qui est regrettable, mais si vous voulez, l'Europe se fait à coup de compromis et de concessions. Ce qu'il faut, c'est que ça avance, ça continue à avancer. Et là, je peux dire qu'il faut quand même mieux que le traité soit adopté, bien sûr, même s'il est imparfait. Et la réticence de la République tchèque aujourd'hui porte sur sa peur d'être un jour obligé de restituer leurs biens aux Allemands des Sudètes, qui avaient été expulsés en 1945. Les conditions dans lesquelles les Allemands ont quitté les Sudètes en 1945, ça n'a pas été brillant, mais c'était dans la débâcle allemande. Et là, il y a une grande peur en République tchèque, c'est indiscutable. D'où cette concession. On va leur donner des... C'est donc une concession de l'Allemagne. Sur la Charte des droits fondamentaux. C'est une concession de l'Allemagne à la République tchèque, en réalité. C'est quasiment du bilatéral.
Jean-Louis Bourlange, merci pour tous ces explications et éclairages. La question du 18h maintenant, oui, non, la politique de santé publique est-elle sous l'influence des labos pharmaceutiques ? Eh bien, cette question est relancée par Le Point et Le Parisien qui pointent le poids des experts. Leur alarmisme a pesé dans le choix du gouvernement de mettre sur pied un programme de vaccination d'envergure. Ces experts sont-ils totalement indépendants ? Julie Trassard. 94 millions de doses de vaccins contre le H1N1 et une facture de 1 milliard d'euros. La commande passée par le ministère de la Santé pourrait avoir été influencée par des laboratoires pharmaceutiques. Le Parisien dévoile aujourd'hui que le groupe d'expertise et d'information sur la grippe qui a conseillé le gouvernement est financé à 100% par les laboratoires producteurs du vaccin. Pour l'UFC Que Choisir qui a mené une enquête à ce sujet, le phénomène n'est pas nouveau. Il serait une cinquantaine de médecins leaders d'opinion à toucher de l'argent des industriels pour des expertises. 50, c'est peu, mais c'est suffisant pour influencer tout le corps médical. Ils sont reconnus comme étant des experts dans leur domaine et sont donc écoutés des médecins généralistes, spécialistes qui prescrivent au quotidien des médicaments. Pour l'Agence française de sécurité sanitaire qui collabore avec le gouvernement, il est normal que certains de ces experts travaillent aussi pour des industriels. Mais ils ont l'obligation de déclarer leurs activités et ne peuvent intervenir en cas de conflit d'intérêts. L'AFSAPS rappelle aussi que la commande de vaccins a été faite au printemps et qu'à l'époque, le ministère ne disposait que des avis de l'Organisation mondiale de la santé. Nos invités en ligne de Lyon, le professeur Bruno Lina qui préside le groupe d'expertise et d'information sur la grippe, Christian Saout, président du collectif interassociatif sur la santé, Jérôme Vincent, journaliste au Point, co-auteur de l'enquête de l'Hebdo cette semaine. Jérôme Vincent, vous critiquez notamment l'opacité du ministère de la Santé. Qu'est-ce qui n'est pas clair à vos yeux ? Eh bien, le ministère a engagé sur fonds publics 1,5 milliard d'euros pour acheter des vaccins, les équipements qui vont avec, vacciner, payer les vaccinateurs, sans aucun débat public, par exemple, au Sénat, au Parlement. Alors, vous dites qu'elle en a peut-être trop fait, trop vite, et vous posez la question de l'influence des experts également, dans votre papier. Oui, bien sûr, à tout niveau, au niveau de l'OMS, au niveau du ministère de la Santé, au niveau de différents comités techniques qui ont aidé la ministre à faire ses choix, il y a effectivement des professeurs, des scientifiques qui sont également collaborateurs de l'industrie pharmaceutique. Eh bien, parmi eux, il y a donc le professeur Lina. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes un spécialiste reconnu de la grippe. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui alors qu'une suspicion donc vise un possible conflit d'intérêts? Le groupe d'information, par exemple, que vous présidez est financé par les labos. Alors, je ne préside pas le comité scientifique. Eh oui, c'est pas tout à fait la même chose. Parce que, si vous voulez, le rôle du comité scientifique est d'organiser un congrès sur la grippe, un congrès annuel. Et moi, je ne préside pas le groupe d'experts et d'information. Je ne préside que le comité scientifique qui réfléchit sur des questions scientifiques. D'accord. Alors, sur le fond, est-ce que c'est quand même dur, professeur, de rester indépendant de ces bailleurs de fonds à l'heure de conseiller la ministre, comme ça vous arrive? Alors, deuxièmement, en termes d'experts, parce que je tiens aussi à clarifier, moi je ne fais pas partie du comité technique des vaccinations, je ne fais pas partie du Haut Conseil. Donc si vous voulez, je ne donne pas d'avis, je ne vote pas pour les décisions. Je suis un des membres de droit du comité de lutte contre la grippe qui n'a qu'un avis consultatif. Donc je ne participe pas aux décisions qui ont été prises pour la campagne de vaccination, même si nous avons donné au titre du comité de lutte un certain nombre d'avis qui ensuite ont été pris ou pas pris. D'accord. Voilà. Alors après, est-il possible d'être un expert et de donner des avis en travaillant de temps en temps avec les industries, de temps en temps sur le côté académique, parce que je dirige aussi une unité de recherche CNRS, et je suis aussi responsable d'un laboratoire de virologie, je suis aussi le directeur du Centre national de référence, je suis aussi le président de la Société européenne de virologie clinique. Donc vous voyez, on a tous comme ça des casquettes multiples qui sont un petit peu liées à la fonction et au rôle qu'on a. Ne pas discuter avec les industriels est se couper d'un certain nombre d'informations, et il est intéressant pour tous de voir ce qui se passe dans le monde industriel. Après, il est clair qu'il est nécessaire de savoir quels sont les intérêts que les uns et les autres peuvent avoir en lien avec les industriels. Là-dessus, je suis d'une transparence, je pense, exemplaire, vu que mon conflit d'intérêts est officiel,
il est public, il est au ministère et à l'OMS, puisque je joue aussi le rôle d'expert de temps en temps pour l'OMS, et parmi ces différents conflits d'intérêts, vous verrez que j'ai des relations avec un nombre d'industriels importants, il est vrai, qui interviennent en France, mais aussi d'autres qui n'interviennent absolument pas en France, d'autres qui ne se sont pas dans le domaine de la grippe, et tout ceci parce que ça permet de mieux travailler. Très bien, bah, écoutez, c'est très très bien, vos explications sont très claires, professeur, et puis vous assumez vos différentes casquettes et vous les défendez. Alors vous restez avec nous, je vais demander maintenant l'avis sur cette question à Christian Saout. Alors que je note également, c'est le Parisien qui le raconte ce matin, que des associations de malades sont également subventionnées par les labos. Dans quel but, Christian Saout, uniquement des intéressés? Attendez, ne mélangeons pas tout. Qu'est-ce que c'est que ce galimatia qu'on nous sert? D'abord, il faut rester raisonnable et séparer les choses les unes des autres. J'ai bien vu que dans le journal en question, on en profitait pour parler de quelques associations qui reçoivent une poignée d'euros pour mener des actions en faveur des malades. La loi a dit que ces financements devaient être transparents, ils le seront. Ils le sont. Bon. Donc il n'y a plus rien à voir. Qu'est-ce que vous répondez sur la question du conflit d'intérêts pour... Je finis. Oui. La loi n'a pas dit que le financement des laboratoires de l'industrie pharmaceutique aux associations de médecins, comme le groupe d'études de la grippe, serait transparent. Donc, puisque la loi ne l'a pas dit, ça ne l'est pas. Voilà. Ensuite, deuxièmement, il ne faut pas se tromper de débat. Le débat n'est pas de savoir si les experts sont indépendants. Faisons-leur hommage de penser qu'ils peuvent l'être. Le problème, c'est est-ce que les expertises collectives peuvent être transparentes? Et c'est ça qui nous manque. Et j'ai en main un avis de la Conférence nationale de santé de juin 2008, où on s'est prononcé sur la transparence de l'expertise. Et on a dit qu'il fallait qu'elle soit contradictoire. Le problème de notre pays, c'est que l'expertise dans la décision de santé publique, comme l'a dit monsieur, n'est absolument pas contradictoire. Alors qu'on l'a rendue dans d'autres domaines. Dans le domaine des décisions en matière d'environnement, par exemple, l'expertise collective est contradictoire. Qu'est-ce que vous auriez eu envie de dire, par exemple, dans le processus qui a été engagé contre la grippe A? D'abord, je ne sais pas si, à ce stade, on avait des choses à dire, mais on a tout le temps fait ressentir les uns et les autres qu'on était favorable à plus de transparence. C'est-à-dire que les lieux où il y a une prise de décision, où il y a une expertise collective, doivent être des lieux ouverts. On déclare à un instant T qu'on se lance dans une expertise collective sur un sujet. On entend les experts, mais on entend aussi la société civile, qui a des choses à dire. Voilà, c'est ça qu'on souhaite, et à la fin, la puissance publique prend sa décision comme elle l'entend et d'ailleurs, faire, parce que c'est la puissance publique. Au début de l'épidémie, il y avait d'ailleurs eu une pétition de personnel de santé, notamment. C'était sur un sujet... Il réclamait plus de transparence. C'était un sujet un petit peu différent. C'était un sujet du travail avec l'opinion publique pour comprendre les enjeux sur la pandémie grippale. Oui. Bon, Jérôme Vincent, est-ce que vous comprenez quand même que la ministre de la Santé a des arguments? Parce qu'aujourd'hui, on lui reproche peut-être d'en avoir trop fait, mais on imagine l'inverse si elle n'avait pas mobilisé tous ses moyens, non? La ministre de la Santé a bien sûr des arguments. Elle a des conseillers que je connais qui sont des personnes honnêtes, indépendantes, qui, à ma connaissance, dont certains d'entre eux, je pense au directeur général de la Santé, n'ont pas de conflit d'intérêts, par exemple, avec les laboratoires pharmaceutiques. Mais ce n'est pas suffisant. La ministre de la Santé, comme en général tous les ministres et bien des administratifs, des décideurs, ne répondent pas aux questions posées par les journalistes. Nous avons dû saisir la commission d'accès aux documents administratifs pour avoir le droit de voir, de lire les contrats payés par vous et moi. Oui, payés rubis sur l'ongle, vous les privez dans le coin, plus de 800 millions d'euros déjà absolument. Versés. Bon, alors, absolument. Professeur Luna. Et je voudrais rajouter que, évidemment, en France, on a des tonnes de lois, mais on s'assoit dessus. La loi Kouchner, on l'appelle souvent comme ça, de 2002, prévoit que les grandes orientations de santé publique soient débattues avec les associations, avec les contradicteurs, avec les parlementaires. Il n'y a eu aucun débat public avant d'engager 1,5 milliard d'euros pour la vaccination. Professeur Lina, vous êtes toujours là? Oui. On revient à l'épidémie, si vous voulez bien, qui d'ailleurs fait des progrès en ce moment, nous dit-on, en Île-de-France. On a rappelé le coût de la campagne qui va être mise en œuvre, 800 millions, peut-être 1,5 milliard au total avec tous les frais annexes. Et on découvre, professeur, quand même, et le sondage du nouvelops.com que nous avons avec notre partenaire le montre, nous avons un scepticisme grandissant de la population. Et si on restait avec toutes ces doses de vaccins sur les bras, je vous donne le chiffre du sondage nouvelops.com, 83% des votants ne veulent pas se faire vacciner. Oui, mais c'est je le comprends. Je le comprends parce que la communication qui a été faite autour de cette vaccination a été globalement très mauvaise. Il faut appeler un chat un chat. Ce vaccin, il a un objectif. Et
Ma position personnelle par rapport à l'utilisation du vaccin, c'est qu'il y a un certain nombre d'individus vers lequel il est urgent que cette vaccination soit faite. Je pense notamment aux groupes à risque pour lesquels l'expérience de l'hémisphère sud et l'expérience des États-Unis nous montrent que les femmes enceintes sont en danger, qui nous montrent qu'il faut qu'on essaye de protéger les petits enfants, parce que là aussi, il y a une morbidité importante. Et puis, il y a une autre chose qui est très importante, c'est de maintenir en fonction et en bon état l'outil de santé publique qu'est l'hôpital. Attends, on va vacciner toute la population, professeur. Non, parce que d'abord, il n'y a pas suffisamment de doses pour vacciner toute la population. Ah bah 96 millions, si une seule dose suffit, comme on nous le dit aujourd'hui, il y aura des surplus. Alors, deux petites anecdotes, mais je ne veux pas faire de polémique outre mesure. Vous savez que c'est des multidoses. Et en pratique, quand on met 10 doses dans un flacon, il faut qu'on les utilise sous les 24 heures parce que sinon le produit se dégrade. Or, il y a des déperditions. Donc on sait aujourd'hui que dans les campagnes de vaccination, on va avoir une perte qui peut être une perte relativement importante en termes de doses utilisées. D'accord. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point est que aujourd'hui, les autorités de régulation, l'EMEA et l'AFSAPS, continue à dire il faut deux doses. Ah, d'accord. Donc, tout simplement parce que les essais cliniques qui ont été faits ont été dimensionnés avec des essais à deux doses. Donc, il va falloir adapter ce discours parce que c'est intenable vu que les résultats de la vaccination montrent qu'avec une dose, on a une protection satisfaisante. Mais ce qu'on ne sait pas objectivement, c'est les essais cliniques ne donnent pas ces informations encore. D'accord. C'est au bout de combien de temps est-ce que une dose reste d'accord. encore protectrice. Professeur, vous nous dites en fait qu'on n'a pas encore tout à fait le recul pour juger de cela. Très bien. Pour merci. Pour la raison, et puis on n'a pas l'impact réel encore en bien France. Bien sûr. Merci pour ce débat enflammé sur cette question de la grippe A, et à mon avis, il est appelé à rebondir. Merci à vous tous. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, sur Public Sénat, le rendez-vous avec Europe Hebdo, c'est-à-dire François Baudonnet et Katia Gilder, la libération de la poste au programme d'Europe Hebdo. Le jeudi, Public Sénat vous transporte en Europe et dans le monde. Parole du Monde, présentée par Caroline Delage, est une fenêtre sur les évolutions de la planète. Le rendez-vous de l'actualité internationale en partenariat avec France Info et Courrier International. Europe Hebdo vous invite à suivre l'actualité de Bruxelles à Strasbourg. Une coproduction LCPAN et Public Sénat, présentée par François Baudonnet et Katia Gilder. Les jeudis d'ailleurs, c'est sur Public Sénat à 18h30 et 22h30.